Hein? Pardon, on peut vraiment changer de viseur du jeu là? Mais c'est n'importe quoi, ça va être trop fort en partie. Wesh l'équipe Bioko, donc aujourd'hui on se trouve pour une vidéo assez spéciale. J'ai vu hier soir qu'on pouvait changer le viseur du jeu, donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas faire une vidéo sur ça. Aussi les gars, aujourd'hui on va faire un jeu, un like égale 2 V-Bucks que je mets dans le jeu. Donc imaginez-vous, on a 2000 likes, et bah ça veut dire que je dois mettre 4000 V-Bucks dans le jeu. Donc n'hésite pas à péter la barre de pouce bleu. Enfin, oh, pas trop, parce que j'ai quand même pas beaucoup d'argent. Aussi les gars, dites-moi en commentaire si vous trouvez que le petit point que je change est trop cheaté ou non, ou qui devrait l'enlever ou quoi. Dites-moi tout en commentaire si c'est trop fort. Aussi, n'hésite pas à m'ajouter sur mon code créateur. Mon code créateur à mettre dans la boutique qui est Dizosan. Tu marques D-I-Z-O-San et puis voilà. C'est gratuit et ça me fait énormément plaisir. Et ça m'aide énormément aussi. Petite coupure pour vous dire qu'on est bientôt aux 70 000 abonnés. Donc si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner frérot. Du coup, on va pas trop tarder les gars. On va direct te lancer en solo, voir ce que le petit viseur donne. Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est pas fort? Est-ce que bah c'est normal? Est-ce que ça change rien? On verra bien. Moi j'ai un ami à moi qui l'a essayé et il m'a dit que c'était beaucoup trop fort. C'est pour ça que on va essayer. Bah d'ailleurs c'est grâce à lui que j'ai vu la vidéo, parce qu'il m'a dit ouais c'est trop fort nanana. Et il m'a dit ouais va voir la vidéo. J'ai été voir la vidéo et j'ai vu qu'il changeait les viseurs. Bah, qu'il mentait pas quoi. Et bah apparemment bah c'est trop fort. Donc on va essayer ça. Ok les gars, donc le temps que ça lance, je vais faire un petit peu ma pub. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snap, Insta, Twitter, parce que je suis très actif. Enfin, je suis pas très actif sur Twitter et tout, mais je suis très actif sur Snap. Donc vraiment, si tu veux me suivre ou quoi, si tu veux, en plus je mets des stories drôles, si tu veux rigoler ou quoi, ajoute-moi sur Snap. Je dis quand je live pas, quand je mets des vidéos, quand je mets pas de vidéos. Je dis vraiment tout sur Snap, donc ajoute-moi sur Snap, frérot. Ok, on est parti. Ok, ça touche. Oh! Ok! Ouah, ça a l'air d'être vraiment fort, hein. Ah, par contre, faut vraiment être précis. Faut vraiment être précis. Ok, on va spawn Pleasant Park. On va se faire un Pleasant Park, les gars. Par contre, les gars, j'ai pas joué depuis lundi. Donc, ça va être galère. Si mon shoot il bégaye ou quoi, c'est bah, c'est normal. Parce que vu que ça fait quand même 5. Ouais, ça doit faire 5 jours que j'ai pas joué. Quand même compliqué de retrouver un shoot après 5 jours. Mais c'est pas grave. Avec ce viseur là, je pense qu'on va faire. Ça va faire le café. J'ai hâte de tester ça. Par contre, je pense qu'aux pompes, ça va pas être trop génial. Enfin, je sais pas si c'est mieux de jouer aux pompes avec ce viseur là ou de jouer à l'air. Je pense que c'est mieux de jouer à l'air avec ce viseur là. Enfin, à l'air PM et tout. Le pompe, je pense que ça va être difficile. Je sais pas. Ok, il y a des gens, 1, 2, 3, 4, on est 4, 5, il y a beaucoup de gens là-bas. Ok, hop. Une balle mise. Ok. La première balle, elle est passée, on a un pompe. Ah, il a pas d'arme le pauvre. Wouah. C'est fort! J'ai loupé quasi aucune balle. Bah, après, c'est mon shoot qui a bégayé, mais. Wouah, c'est fort! Wouah, c'est trop fort! Mais c'est juste cheaté! Ouais, j'ai plus de balles là, ça va être galère. Faut que je trouve des balles. Y'a pas de balles. Ça va être assez galère, les gars. Va falloir que je tue lui. Ok, j'ai loupé ma balle. Ok, je me cache. Ok. J'ai touché dans la tête. Ok. Oh, mais les gars, c'est beaucoup trop fort. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment trop fort. Et je loupe beaucoup de balles, hein, les gars. C'est normal. C'est parce que, bah, comme je vous l'ai dit, ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué là. Ouah, c'est trop fort. Mais je crois que je vais jouer avec ça maintenant. Je sais pas s'il y a des risques de ban ou quoi. Donc, je vous conseille vraiment pas de le faire, les gars. Mais c'est trop fort. Lui il a l'air d'être bon. Il a l'air d'être bon, mais j'ai plus de vie. Ah dommage, dommage, dommage. Bon, on va faire une deuxième partie. Let's go les gars, on va faire une deuxième partie pour parce qu'on a pas eu le temps de tester tout ça. Mais vraiment c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. Bon le gars là il a été meilleur que moi, j'avais pas de vie. Et puis même une grosse balle de pompe j'ai déjà lu. On est parti pour bah, une deuxième partie. On est parti pour une deuxième partie. Ok. Bon pour l'instant première impression de bah, du start, on a pu faire 4 kills. Vraiment c'est beaucoup trop fort je trouve. C'est bah il y a toutes les balles qui passent. Même à un moment j'ai tiré une balle au hasard, ça a mis une tête. J'ai pas compris, mais c'est trop. Dites-moi en commentaire les gars hein, ce que vous pensez. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, dites-moi si c'est si à votre goût c'est trop fort, si c'est pas trop fort, si c'est normal, si c'est si ça devrait être ban, si c'est. Enfin voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Vas-y on fait un fatal field.
On fait un Fatal Fury parce que j'ai quand même envie d'essayer de faire le top 1. Le but dans cette vidéo, c'est vraiment d'essayer le viseur. Mais j'ai quand même envie d'essayer de faire le top 1 avec le viseur. Ça serait énorme de faire le top 1 avec le viseur. Mais bon, si on fait pas de top 1 vraiment dans cette vidéo là, c'est vraiment pas grave. Parce que le but, c'est vraiment d'essayer de faire un maximum de kills avec le viseur. C'est vraiment de l'essayer au max. Du coup, let's go. On va quand même essayer de se loot et d'essayer de faire top 1. Du coup, est-ce qu'il y a des kills? Un kill. Ok, il y a un kill. Du coup, faudra juste se loot et retake après. Ok, un kill, mais il se barre loin. Oh, il y avait un pompe juste au-dessus. J'ai pas. Oh oui. Oh, j'ai hâte d'essayer ce que ça donne avec ce pistolet. Oh, j'ai tellement envie d'essayer par contre, je sais pas. Mais je sais pas j'ai tellement envie d'essayer par contre les gars, c'est le noscope au sniper vraiment. C'est je sais pas si ça passe, si ça touche ou quoi. J'ai vraiment envie d'essayer. Le OK, il est parti là le gars. Parce que là normalement c'est pas ouvert. OK, il est là. Noscope. Vous êtes prêts pas? OK, ça passe pas. Après je sais pas si j'étais sur lui. Oh! Oh! Oh, il est mort dans sa puante, lol. Ok, j'ai tiré au hasard, ça a direct mis une tête. Je sais pas si vous avez vu. Quand même assez fort, hein. C'est quand même vraiment fort. C'est quand même vraiment assez fort. On va aller se loot un petit peu. On a tué bah, le seul gars qui était à Fatal Field. Du coup on se loot et puis on va rush les kills. Oh les gars, vas-y, on l'a fait comme ça. En vrai on l'a fait comme ça. C'est mieux d'essayer le noscope à la carabine quand même. C'est mieux, c'est mieux. Enfin elle est pas terriblement loin. Du coup les gars, je vais chercher la carte au trésor et on se retrouve dans quelques secondes. Ok les gars, donc j'ai pris un tremplin là dans un distributeur et puis on va chercher la carte au trésor. Et là-bas j'ai vu un grand lama, enfin j'ai vu un grand lama de loin, j'ai vu un lama. Du coup on va aller chercher le lama avec le tremplin, comme ça on fait plus vite. Et là on va prendre la carte au trésor comme ça, on a le spa 12 et tout. Et là on va chercher le lama qui est, je l'ai vu par là-bas, il est collé à un arbre. Vas-y, on va utiliser le tremplin. Il est collé à un arbre, il est collé à une montagne, je sais pas où, exactement où. Ah regardez, il est là-bas, vous le voyez là-bas? Bon, on bat les couilles, je vais quand même le chercher moi. Il y a vraiment des lamas les gars, à des endroits où laisser tomber. Oh, il y a un gars là. Oh, c'est un Bambi. Nonoscope. Ah, le noscope qui est pas passé malheureusement, j'ai du mal tirer, je sais pas. Mais en vrai, mes balles de Scar, j'ai dû tirer peut-être 5-6 balles de Scar. Il y a 4 balles de Scar qui est rentré, ou 3. C'est tellement fort, vraiment c'est trop fort. Ok, il m'a mis bien niveau bulle. C'est tellement fort, je trouve. Vraiment, je trouve c'est tellement fort. Hein. J'arrête pas de me répéter les gars, mais je trouve vraiment fort. Vas-y, on va prendre ça. Est-ce qu'on a un tremplin? On a pas de tremplin, du coup on va y aller. Yep. Normalement il va y avoir une faille quelque part. Ok, là on est vraiment bien. Là si je fais pas top 1, je comprends pas. Vraiment, je crois que je dois arrêter de jouer, hein. Je dois arrêter de jouer à Fortnite si on fait pas top 1. A few moments later. Okay, on va prendre une faille et puis let's go. On va quand même. Ah si, ça a quand même été fait ici. Allez hop. On va rush des kills parce que là, quand même, hein, c'est bien de se loot et tout, mais on fait que ça depuis tout à l'heure. Du coup, on va. J'ai cru voir un gars. Vous inquiétez pas, je pense qu'à la fin de partie, ça va bien se fight. On va aller à Retail Row. Je pense qu'à Retail, ça doit se taper parce que bah, il est dans la zone. Du coup, je pense que ça doit se taper. Ok, à mon avis, ça se tape quand même. Parce qu'il y a beaucoup de construction. Ok, ça se tape. Wow, direct, une balle. La première balle qui passe. C'est tellement n'importe quoi, je trouve. Je me suis même pas arrêté, j'étais en train de marcher, j'ai tiré et la première balle qui passe. C'est complètement n'importe quoi, ce viseur, vraiment. Ok, c'est un joueur comme ça. Ok, une balle qui passe. Ok, la tête qui passe. Ok. Mais c'est trop fort, j'ai loupé aucune balle. Les gars, c'est vraiment beaucoup trop fort. J'ai loupé aucune balle. C'est trop fort. Mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment trop fort. C'est n'importe quoi même. Oh, touché, j'ai pété son... Parce qu'il était en buisson, je l'ai pété son buisson du coup. Faire gaffe. Faire gaffe à son arbalète parce que ça fait mal hein, quand même ce truc de merde. Touché. Oh le co... Oh le connard! Non! Oh la blague! Vas-y, on va le chercher, on va le chercher, hein, vous inquiétez pas. Let's go! Eh, hey, c'est trop fort! Oh, vous avez vu la balle que je viens de lui mettre? C'est trop fort! C'est trop cheaté. Vraiment, c'est trop cheaté.
Je vais tout le temps me répéter à dire c'est trop fort, mais c'est trop cheaté. Vraiment, c'est... C'est du grand n'importe quoi. Eh, ça serait cool de faire le top 1, n'empêche. Hein. Ça serait vraiment cool. Il y a une faille, là. Regardez le laser que je viens de lui mettre. Encore une balle qui est passée. C'est n'importe. Je viens de lui mettre un laser à l'air, les gars. Il a rien compris. Par contre, je répète, les gars, le faites vraiment pas... Vous ne le faites pas, parce que je sais pas s'il y a des risques de ban ou quoi que ce soit. Donc je préfère vous le dire, ne le faites pas, parce que on sait jamais. Vous pouvez vous faire ban si vous avez un compte qui coûte cher. Enfin voilà, vous serez dégoûté et tout, donc le faites pas. Moi j'ai pris le risque pour vous montrer et tout, mais sinon le faites pas. Ok, il y a un gars. Il y a un gars là. Première balle loupée. Vraiment là, c'est pas le viseur qui... Oh là là. Vraiment les gars, c'était pas le viseur, c'était moi, j'avais un mauvais shoot sur ça. Vraiment, mon shoot il puait du cul. Mais c'est trop fort. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais je mets que des grosses balles, je sais pas, c'est incroyable. Là, mon shoot, il a pué du cul, mais c'était moi, là. Genre, c'était pas le viseur, c'était moi. Putain, ça se voit que j'ai pas joué pendant 5 jours, hein. Vraiment. Et le dernier, je vous jure, on tente le noscope. Quitte à pas faire top 1, je m'en fous, je vais mettre le noscope avec ce viseur. Ok, là-bas, il y a un gars qui tryhard. Oh, même quand on vise, regardez, c'est stylé. C'est vraiment trop stylé. Vas-y, on va le rush direct, hein. Oh, par contre, c'est un que mec qui tryhard ça. Yo merde, non! J'ai pas fait exprès! Je suis tombé! Ouais, j'étais où, gros? Attends, il est bon, mais il tryhard en faisant des tours, c'est quoi? C'est quoi ton problème, gros? Passe à moi. Ok, il a plus de vie. Laser, laser, laser. T'as plus de vie, t'as plus de vie, t'as plus de vie. Ok, on a galéré sur ce combat là, mais... On a vraiment galéré sur ce combat là, mais... J'ai préféré safe à mort et tout, parce que je voulais pas... Je voulais pas mourir, je voulais vraiment faire le top 1 là. Du coup là, il reste un gars et on va tenter le noscope. Ouh, on a vraiment galéré sur ce kill là. Hein? Noscope, noscope. On va tenter le scope, on va tenter le scope, vous inquiétez pas. Le shoot! Ok, il va dans la zone directement, c'est un tryhard. C'est un bon petit tryharder lui. Ah, t'as pris le truc sans faire exprès. Ok, c'est mon shoot là. Hein. Genre mon shoot il est nul. Hein. Il est nul, il est nul. Ok. Bon après c'est pas si... Bah c'est très très fort mais des fois... Ouais. Oh vas-y, première balle qui passe, il m'a mis une tête gros. Ok, une balle qui passe. Touché. Ah oh, je vous ai dit que je mettais le noscope, vous faites chier.
On va essayer de faire le noscope. Il est pas très bon donc Oh. On fait pas le noscope, c'est mort. Bon, j'ai quand même essayé de tenter le noscope, mais ça a pas passé. En tout cas, un petit 8 kills avec le nouveau... Le viseur, ça fait plaisir. Vraiment, moi, je trouve ça assez insane. Il est vraiment très, très... Bah, c'est même trop fort. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Dizo, ciao, ciao. Peace.